Il y a ceux qui sont obligés de chauffer leur maison, leur bureau et toutes leurs pièces de vie à 19 degrés maximum. Et il y a Nabila Benatia. Apparemment, à Dubaï, personne n'impose aux citoyens de limites, ni en termes de chaleur, ni en termes de rien. Sur son compte Instagram, la jeune maman a partagé une vidéo, le 1er décembre 2022, sur laquelle on découvre sa très grande et luxueuse maison, décorée pour la saison des fêtes. Guirlandes électriques par milliers, statues géantes du Père Noël, tables prêtes à recevoir, ampoules, boules et tout ce qui semble être de rigueur. L'épouse de Thomas Vergara n'a rien oublié pour combler ses deux fils, Milan, 3 ans, et Léane, née en juin 2022, qui va vivre tout ceci pour la première fois. Et quelle première fois! Si est-il la saison, écrit Nabila Benatia sur les réseaux sociaux. Ça vous plaît? Entendant cette perche immense, l'influenceuse ne pensait peut-être pas être tant critiquée. Dans ses commentaires, presque personne ne parle de sa folle décoration de Noël, mais chacun a une pensée pour la crise écologique actuelle. Difficile, d'ailleurs, de savoir si ses fils auront droit à une visite du bonhomme en rouge. Ou si est-ce le père fouettard qui viendra leur laisser un morceau de charbon en guise d'offrande, le matin du 25 décembre. Milan, l'aîné de Nabila et de Thomas Vergara, adopte actuellement un drôle de comportement, pas au goût de sa mère.